Bonjour, je suis le docteur Philippe Guibert, je suis directeur médical des activités de conseil santé aux entreprises pour les régions Europe. Premièrement parce que la souffrance en santé mentale des employés au travail est un phénomène qui a été observé, qui est en dégradation par rapport aux années précédentes, et ceci objectivé par toutes les études et les enquêtes menées en France et à l'international. Mais également parce que les entreprises qui ont mené des actions depuis ou avant la crise du Covid pour protéger et préserver la santé mentale de leurs collaborateurs, eh bien, sont obligées de les maintenir, voire de les intensifier. Eh bien, comme l'on prend des nouvelles du monde le matin en consultant des applications d'information, l'application Bien-être d'International SOS permet de prendre des nouvelles de soi-même et d'orienter un parcours d'action guidé en fonction de ses émotions et du ressenti du moment. Ces actions consistent en des activités en autonomie, telles que des techniques de relaxation, de méditation en pleine conscience ou de pensée positive, mais également des programmes guidés sur des thèmes aussi variés que l'estime de soi, la relation avec les autres, le sommeil, le stress ou le moral. Eh bien, la définition de la santé mentale que nous avons chez les internationaux SOS est qu'il s'agit d'un continuum qui, tel que la santé physique, peut varier en fonction des circonstances et des événements. On peut avoir une situation de base de bonne santé qui peut se dégrader en fonction des événements, voire devenir chronique et irréversible. Pour répondre à toutes ces situations, l'application Bien-être d'International SOS permet justement d'être la première ligne de soutien pour ces situations difficiles liées au stress, aux pensées anxieuses, voire à la dépression, et qui permet justement d'éviter que ces situations deviennent plus graves ou se chronicisent.